Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Malandé Mission Moseka Malheur Moderne. Motenabino. Voilà, c'est l'heure du repas. Notre menu du jour, ce sera un plat light aujourd'hui. Donc, je vous propose des papillotes de filet de pangasus à la moutarde à l'ancienne. Je vous présente les ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette. Pour réaliser des papillotes de filet de pangasus à la moutarde à l'ancienne, vous aurez besoin de filet de pangasus préalablement assaisonné avec un mélange ail persil, sel. Vous aurez besoin de tomates, rondelles de tomates, oignons rouges coupés en rondelles, moutarde à l'ancienne, poivre, huile d'olive. Ce sera tout. Nos filets de pangasus seront mis en papillotes, ensuite cuits au four et nous pourrons les manger avec des pommes de terre à la vapeur. Je déclare cette recette, recette minceur. On se retrouve pour la préparation. Voilà, nous allons faire une portion individuelle. Nous aurons besoin de feuilles de papier aluminium, c'est juste pour te solidifier l'affaire. Ne jamais cuire directement les aliments sur l'aluminium. Nous avons besoin de papier pulvérisé. Moi j'ai l'habitude de le chiffonner, ça permet au papier de mieux se mettre. C'est plus facile à manipuler ainsi le papier. Voilà, ici je propose de faire une portion individuelle. Ensuite, on pourra faire des portions avec trois poissons dedans. Donc ça, c'est pour une personne. Voilà. On dépose donc notre filet de pangasus. On va badigeonner de moutarde à l'ancienne. On va prendre donc tomates et oignons rouges. Je vais un peu avancer. La moutarde est déjà très salée, hein, donc évitez. Et ici, on va mettre deux rondelles d'oignons rouges, un peu de moutarde et trois rondelles de tomates. Un peu de moutarde. Et on va terminer avec le mélange persil, ail. On va mettre du poivre. Évitez de mettre trop de sel parce que c'est déjà bien salé. Voilà, on met un peu de poivre. Ensuite, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Léger, léger. Voilà. Et voilà, notre papillote peut être fermée. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va bien étouffer notre poisson, on l'enferme, d'abord avec le papier, puis en plus, avec le mélange, avec les deux feuilles d'aluminium, comme ça, on crée une papillote bien
Voilà, et ça, ce sera prêt à enfourner. Vous avez le choix de faire soit 4 comme ceci ou un grand. Maintenant, on va réaliser un grand avec le reste de poisson. Voilà, maintenant on va faire un grand. À chaque fois, il faut toujours prendre soin de compter qu'il y ait suffisamment de tranches de tomates pour chaque personne, si jamais ça va être mangé par plusieurs. Voilà. Voilà, ça sort du four. Je vais vous montrer. Ça, c'est la version individuelle. Une petite sauce qui s'est créée. Donc, c'est vraiment un plat minceur. Hein. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Voilà, notre papillote est prête, ça donne ça. Les régimeuses, ce plat en fait, je l'ai découvert lorsque j'étais dans un centre pour aider à perdre du poids. C'était fait avec un autre poisson, c'était de la truite. Et là, je l'ai adapté avec des filets de pangasius. Donc je déclare ce plat minceur. Il a vraiment beaucoup de goût parce que la moutarde à l'ancienne, ça change tout. C'est un assaisonnement qui apporte directement du goût. C'est accompagné de pommes de terre vapeur et le petit jus de cuisson, nous ne l'avons pas perdu, il est là-bas juste à côté. Vous pouvez mettre ce jus de cuisson sur vos pommes de terre, sur le poisson, il n'y a pas de problème, il n'y a pratiquement pas de matière grasse. Un plat minceur, riche en goût, essayez ça chez vous et vous ne serez pas déçus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. L'émission Moseka de Maléa Moderne vous dit à bientôt. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui l'émission Moseka de Maléa Moderne.